Est-il possible de manipuler la météo pour lutter contre le changement climatique? La Commission européenne a lancé mercredi le débat sur la géo-ingénierie, une technologie contestée et encore en développement qui permettrait de refroidir la Terre. We note that geoengineering is discussed and explored in several parts of the world and that it is considered by some as a potential future response to climate change. This is an issue with global implications and considerable risks. Nobody should be conducting experiments alone with our shared planet. Mais qu'est-ce que la géo-ingénierie et comment peut-elle manipuler le climat? Les chercheurs travaillent sur différentes technologies pour réduire la température. L'une d'entre elles est l'injection d'aérosols stratosphériques. Concrètement, des avions libèrent de minuscules particules qui réfléchissent la lumière. Mais selon les experts, il faudrait pour cela des centaines, voire des milliers d'appareils spécifiques pendant des années. Il y a aussi l'éclaircissement des nuages marins, qui vise à augmenter la réflectivité des nuages bas à l'aide de particules d'aérosols libérées par les bateaux. Une partie importante de la communauté scientifique critique ces solutions. 450 experts ont envoyé une lettre pour exprimer leurs inquiétudes. Frank Biermann, professeur à l'Université d'Utrecht, est l'un de ses signataires. These uncertainties cannot go away by research, because in the end, the final impact of these technologies, you will only know when you try it out at planetary scale. You can't really get rid of all the uncertainties by experiments in the lab. And also small-scale outdoor experiments cannot really tell you the full story. They cannot tell you really what are the risks that are that might reveal themselves only when you deploy these technologies at planetary scale over many, many years. Social scientists are really concerned about the geopolitical risk. What happens if some countries do it alone? Ces projets sont majoritairement proposés par des scientifiques américains. Mais la Commission européenne estime que la question doit faire l'objet d'un débat international au plus haut niveau pour décider si une régulation est nécessaire et si oui, laquelle.